frère de Nikita Durib par Viking's Way, lui-même semi-classique, Oxford Durib a été acquis par un groupement d'éleveurs après ses débuts à France Hara et effectue en 2015 sa deuxième saison de monte au Haras du Lion. Au niveau de son pédigré, c'est phénoménal. En fait, c'est Viking's Way et la mère Chambompé. Une des meilleures juments, je dirais peut-être, de chez Monsieur Joël Allais. Alors celle-ci, elle a fait Nikita Durib, Flash Durib, Jomo Durib, Étalon et sa sœur Nikita était classique. Gagnant en débutant à 3 ans en avril à Cherbourg, puis un mois plus tard à Caen, toujours à l'athlée, Oxford Durib s'impose à Enghien avant de passer aux montées et de briller en plein cœur du meeting d'hiver de Vincennes mi-janvier dans le prix Fourcalier. Il s'élève aussitôt au niveau semi-classique, 3e du prix Camille Blaiseau, groupe 2, puis Dauphin Dolimed dans le prix Hervé Serrant-Maillard, groupe 2, signant son record d'une 12-7. Oxford Durib qui est lancé par Jean-Luc Claude d'hier soir au Camilla qui lutte pour les accessites aux abords du poteau. Olimed qui va venir menacer très sérieusement hors de Bruges. La victoire pour le 7, Olimed. La victoire sera pour le numéro 7, Olimed. La deuxième place pour le 2, Oxford Durib. Un petit cheval qui avait de la rate, un petit cheval qui avait quand même de la tenue, de la qualité également, hein, et un cheval qui ne nous laissait pas beaucoup. Malgré une production pour l'instant réduite en nombre, Oxford Durib s'est déjà distingué à Athlée Montée avec des sujets de qualité comme Amiral du Poitou, mais aussi à Vincennes avec Venice Girl, jument d'Yves Dreux, né de sa première génération, qui a gagné 2 courses pendant le dernier meeting d'hiver. Ligne d'arrivée pour Venice Girl qui lutte avec Vodka du Vallon. Venice Girl, Vodka du Vallon, les deux favorites qui luttent pour la victoire. Puis attention à Bostana de Viette qui vient très très fort, un énorme outsider. Venice Girl qui a toujours l'avantage devant Vodka du Vallon. Venice Girl devant Vodka du Vallon, aux abords du poteau. Venice Girl, Vodka du Vallon. Venice Girl devant Vodka du Vallon. Le cheval, il n'a pas eu sa chance en fait. Hein. Il a travaillé une année correcte et après, il n'a pas trop travaillé. Il ne s'est pas trouvé vraiment peut-être dans les secteurs où il y avait la jumenterie trotteur français. Venant dans le Maine-et-Loire, proche de la Mayenne, le cheval est relancé, je pense, à plein pot. Et en 2014, le cheval était complet. Oxford Durib est proposé à 1 300 € poulain vivant au Haras du Lion en 2015.